Cette méthode est américaine, il n'y a aucune autre vidéo en France qui parle de ce business où tu peux gagner de l'argent simplement en cliquant, tu n'as besoin d'aucune compétence, c'est totalement gratuit, il n'y a pas d'investissement de départ et c'est disponible partout dans le monde et surtout c'est ultra simple. À la fin de la vidéo, il y aura un très très gros bonus, ce sera pas les bonus de d'habitude qui te servent à gagner un tout petit peu plus d'argent ou à un petit peu mieux comprendre la méthode, non là ça va vraiment être un bonus gigantesque et en fait c'est ça qui va te permettre de vraiment gagner énormément d'argent, donc je t'en dis pas plus, reste bien jusqu'à la fin, mais c'est vraiment pas un bonus comme d'habitude, moi ça me fait augmenter mon watch time, c'est pour ça que je le mets à la fin, donc voilà. Donc je vais t'expliquer tout de suite la méthode, donc comme je te dis c'est une méthode toute nouvelle qui vient d'arriver, il n'y a encore aucune vidéo en France sur ça, je me répète, et en gros cette méthode elle va se passer sur le site 5euros.com mais pas que. Donc là tu vois que sur 5euros.com j'ai tapé coloriser noir et blanc. Donc en fait ça va être quoi en fait pourquoi j'ai tapé ça sur 5euros. Déjà si tu sais pas ce que c'est 5euros, c'est tout simplement un site qui va en fait te permettre de poster des petites annonces de prestations de services. Donc la prestation de service c'est des services en échange d'argent, soit du temps en échange d'argent. Et en fait c'est plein de gens qui vont poster des petites annonces par exemple pour des voix off, du montage photo, des miniatures. Enfin, ils vont poster des petites annonces et généralement c'est aux alentours de 5euros. C'est pour ça que le site s'appelle 5euros. Donc là, dans 5euros, j'ai tapé moi colorisé noir et blanc parce qu'il y a un service en particulier qu'on va utiliser dans cette vidéo et c'est la coloration d'images noir et blanc en images de couleur. Donc tu vois qu'il y a pas mal de personnes qui proposent ça. Encore en France, tu vois que c'est pas très très répandu. Là, on en voit deux ici, juste ici par exemple, cette personne là. Mais en France, c'est pas encore très très répandu. Et à la fin de la vidéo, du coup, ce sera sur ça mon bonus en fait, comment faire que tu fasses beaucoup de ventes parce que en France justement il y a un petit peu moins de demandes du coup. Et en fait cette personne là ce qu'elle va faire c'est que pour 5euros elle va tout simplement coloriser la photo d'une personne en noir et blanc, donc ça peut être une photo de famille etc etc. Toi tu vas me dire ouais mais je sais pas coloriser des photos, je suis nul, pas forcément je suis nul mais j'ai aucune compétence dans le graphisme, dans la colorisation de photos, ça doit être hyper compliqué, il va falloir refaire les couleurs une par une. Ne t'inquiète pas, en fait ça tu vas pouvoir le faire en 5 secondes grand maximum. Et oui, je te le dis, en vraiment 5 secondes, tu vas pouvoir faire ça. T'as besoin d'aucune compétence en fait pour le faire. Et c'est ça qui va être génial dans cette méthode. Donc tu vois que cette personne par exemple, son basique c'est 5euros. Donc là, il met un petit peu sa description. Et là, on en apprend plus en détail du coup sur en fait son microservice. Donc tu vois que pour 10€, c'est 3 images colorisées en JPEG. Et pour 15€, c'est 7 images colorisées. Donc 3 images 10€, une image c'est 5€ bien sûr, et il a ajouté en plus quelques options supplémentaires, donc moi je te conseille vraiment d'en ajouter parce qu'en fait ça va faire augmenter le panier moyen de ton client tout simplement, ça peut te faire vraiment augmenter de ouf ton cash que tu reçois à la fin. Du coup par exemple là 3 images colorisées supplémentaires plus 10€, 7 images colorisées c'est plus 15€, tu vois. Donc lui il en a rajouté que 2, mais toi tu peux en rajouter bien sûr beaucoup plus, après c'est à toi d'en inventer, ça va pas être très compliqué, mais voilà. Et en fait ce que fait cette personne comme montré sur les exemples ici, c'est voilà, t'as une photo noir et blanc et elle passe en couleur. Donc je vais te montrer du coup comment faire ça et comment mettre cette petite photo en couleur. Ça va se passer sur ce site là, pardon, qui s'appelle tout simplement colorize.sg. Donc le site c'est colorize.sg, retiens, t'as juste à taper ça sur Google et normalement ce sera le premier site. Donc en fait ça va coloriser tes photos en noir et blanc directement en photo normale avec des couleurs, et c'est ça qu'en fait qui est super bien sur ce site. Tu vois que là ils nous ont donné un petit exemple où même on peut, tu vois, hop, remettre en noir et blanc, remettre en couleur, etc. etc. Et normalement, si tu fais try it yourself, tu arrives sur cette page-là où toi, tu vas pouvoir le faire également gratuitement. Donc, nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher une image en noir et blanc sur Pexel. Donc, Pexel, c'est un site où il y a plein d'images libres de droit que tu vas pouvoir prendre. Et on va tout simplement taper black and white ou noir et blanc. On va taper noir et blanc en français, hein. Voilà, noir et blanc. Et là, en fait, on va tomber sur plein de photos gratuites et libres de droit pour que je te montre un petit peu l'exemple. Donc qu'est-ce que je vais prendre, je sais pas trop, on va prendre une photo comme ça qui est très très belle. Tu vois que là il y aura vraiment énormément de couleurs à mettre en fait sur cette photo. Et tu vas voir comment l'outil est puissant même pour des photos qui sont dures de base tout simplement à faire tout simplement. Donc je télécharge, hop, et je retourne juste après sur le site. De retour sur le site, en fait, t'as juste à cocher ici, je ne suis pas un robot. Please vérifie du captcha abo nani. Donc là, bon, j'ai coché les vélos. Valider, voilà.
Et après, du coup, tu vas pouvoir cliquer ici sur sélectionner ta photo. Donc, je vais la sélectionner sans que vous regardiez parce que je veux pas que vous voyez toute ma galerie photo. Et après, du coup, on va voir le résultat. Voilà, donc là, j'ai sélectionné la photo dans ma galerie et elle est en train de charger, du coup, pour avoir le résultat. Donc, tu vois qu'en fait, j'ai cliqué sur un seul bouton et là, bam, on a notre petit résultat, pardon, qui est vraiment hyper stylé. Vous voyez que là, il y avait énormément de couleurs à remettre et tout. Et bah, ça a très, très bien marché. Et comme vous voyez, tout simplement, sur 5€, ils mettent... je vais retourner sur ça. Sur 5€, pardon, les personnes pour montrer en fait qu'elles passent d'une photo en noir et blanc à une photo qui est directement en couleur, elles font des comparatifs. Comme vous voyez, ça se coupe au milieu de l'image et on voit du coup que d'un côté c'est en noir et blanc et de l'autre c'est colorisé. Ce que vous allez pouvoir faire avec ça, c'est hyper bien, c'est faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pourrez, juste en bas, vous avez plusieurs options. Donc soit vous téléchargez que le résultat, c'est-à-dire que la photo en couleur, ou soit vous pouvez télécharger la comparaison, donc c'est-à-dire la photo qui va être juste comme ça. Donc je vais vous montrer la comparaison. Ou si vous avez plusieurs photos à faire, vous cliquez sur Color New Photo. Donc par exemple, je vais faire Download Comparison. Après vous, bien sûr, pour vos clients, vous n'allez pas télécharger ça, vous allez télécharger Download the Résultat. Et là, si je veux faire ouvrir le fichier. Et la comparaison, du coup, ça donne ça. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et du coup, ça, après, vous allez directement pouvoir le mettre en photo de présentation sur 5€. C'est ça qui est hyper bien. Donc, si vous avez plusieurs photos à faire, vous faites Color New Photo et vous refaites exactement la même chose. Vous cochez ici le petit Red Cacha, et après, vous pouvez recliquer et recolorer encore plein d'autres photos. Donc là, j'ai vite fait les petits ponts. Bon, de toute façon, je vous ai montré l'exemple, donc maintenant, on s'en fout un peu. Et vous voyez que c'est hyper bien. Maintenant, on passe au gros bonus de cette vidéo. En fait, c'est deux sites supplémentaires à vous présenter. Comme je vous l'ai dit, c'est très très peu développé en France, tout simplement. Vous voyez que sur 5€, il n'y a que deux annonces. Donc déjà, ça veut dire que vous n'avez pas de concurrence. Donc vous allez facilement pouvoir vous placer tout en haut sur 5€. Mais sur les autres sites... s'il n'y a que deux annonces en France, c'est parce que c'est moins populaire, par exemple, qu'en Angleterre. Et du coup, il y a des sites anglais, des sites américains, du coup, qui font exactement pareil que 5€. Donc c'est exactement le même principe. C'est de là... des freelances, de la prestation de service en échange d'argent, du coup, et c'est exactement la même chose, c'est des gens qui postent plein de petits services et voilà. Donc d'abord le premier site, c'est Fiverr, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir que déjà, il y a beaucoup plus d'offres que ce qu'il y avait nous sur 5€. Il y en a plein. Et en fait, ce que vous allez faire, une fois que vous avez posté simplement votre, votre photo sur 5€, enfin votre annonce, pardon, sur 5€, au préalable, vous vous inscrire bien sûr sur 5€, mais une fois que vous l'avez posté sur 5€, vous allez refaire la même annonce, c'est-à-dire copier-coller l'annonce et la mettre sur Fiverr. Comme ça, vous avez tout simplement, juste pour une annonce faite, et vous avez sur deux sites et même trois sites, parce que je vais vous présenter un autre qui est encore mieux, tout simplement. Et voilà. Donc, par contre, sur Fiverr, comme vous l'avez vu, il y a plus de concurrence. Donc, ce qu'il va falloir faire sur Fiverr, comparé à 5€, vous n'avez aucune concurrence, c'est au début de mettre vos prix un petit peu plus bas que sur 5€. Comme ça, vous allez avoir plus de monde rapidement qui vont aller du coup sur vous parce que vous aurez les prix les plus bas. Et une fois que vous aurez eu quelques avis et que vous aurez eu des commentaires, des bonnes notes et des commandes, vous allez remonter en haut du classement et là, vous pourrez rehausser vos prix du coup juste après. Donc, c'est ça qui est hyper bien. Et on continue du coup avec le troisième site du coup qui va vous permettre de copier-coller deux fois votre annonce, c'est-à-dire que au lieu de la faire une fois sur 5€ et d'avoir quasiment aucune vente, vous allez pouvoir la copier-coller sur Fiverr et sur ce site-là. Ce site-là, ça s'appelle People Per Hour. Donc c'est exactement la même chose que Fiverr et exactement la même chose que 5€ du coup. Et ça, c'est également un site anglais. Et voilà, là vous voyez que tout simplement, ils proposent à peu près les mêmes services comme juste ici, cette personne par exemple. Et je crois que là, même c'est plus cher, comme vous l'avez vu, c'est à peu près 5€ par photo sur l'autre. Et là, ils proposent ça à 15€, ce qui est vraiment pas mal en fait. Comme vous pouvez le voir. Et comme je vous l'ai dit, cette personne quand même, elle veut se faire pas mal d'argent et tu vois que I can do 3e match supplémentaire pour 22€. Donc voilà, j'espère que ce vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à plus. Salut.